Bonjour. Bonjour. Quand vous parlez de votre éducation que vous avez reçue, qui était très patriotique, on croyait en la France, ça peut expliquer pourquoi alors vous vous êtes engagé dans la résistance ? Alors, moi je suis rentrée dans la résistance pour différentes raisons. La première et la plus rapide, ça a été l'invasion du pays. Hein ? Être occupée, c'était insupportable. Bon. La deuxième raison, ça a été le nazisme. Parce que mon père parlait l'allemand, qu'il avait appris chez les jésuites. Et il travaillait au câble de Lyon et, comme ingénieur. Et il allait pour les foires en Allemagne, à Leipzig, à Munich, depuis des années. Il a vu la montée du nazisme et il en a été horrifié. Quand il revenait d'un voyage en Allemagne, il nous expliquait ce qui se passait, qu'on brûlait les livres. Pour lui, c'était l'horreur. Il nous disait que c'était insupportable, ce régime, etc. Donc, on était anti-nazis avant même que les nazis viennent chez nous. Moi, je me rappelle, ma mère adorait inviter les ingénieurs ou ses amis. Et je me souviens bien d'un dîner où un ingénieur a dit « Regardez la jeunesse allemande, comme elle est propre, comme elle est courageuse, comme elle est saine. » Et mon père lui a dit « Mais... il y a des soubassements idéologiques insupportables. Ils se sont disputés. Ma mère a failli voir son dîner tourner au vinaigre. Hein. » Mais à 16 ans, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'était le goût de l'interdit, d'avoir envie de faire quelque chose, mais c'était un jeu en même temps Alors, ce que vous dites n'est pas complètement vrai, mais c'est vrai en grande partie. Alors, ça nous donnait l'occasion de faire quelque chose. Moi, je n'ai pas été très heureuse dans l'enseignement secondaire. J'avais envie de rire et de faire rire les autres. J'avais envie, puis dites donc, vous ne vous rendez pas compte comment on était vissés, nous. Hein. Le prof, il était derrière le bureau, c'est lui qui avait raison en permanence, et on n'avait même pas le droit de lever le doigt pour l'interrompre. On était punis pour un rien, c'était pas très, très rigolo. Alors, moi, je me disais, il doit y avoir moyen d'enseigner en rendant les élèves heureux, en partageant ce qu'on aime. C'est pour ça que je suis devenue professeure de lettres après, pour ne pas faire comme elle. C'est vrai que j'avais un tempérament un peu révolté. Je me suis révoltée chez moi parce que j'avais 6 frères et 2 sœurs et que nous faisions, les filles faisaient le travail, en particulier ma sœur qui avait 2 ans de moins que moi et moi, on faisait les lits de mes frères avant de partir en classe. Et je trouvais ça insupportable. Mais ma mère, en bonne épouse de cette époque, considérait que les femmes devaient tenir la maison. Et nous, on faisait les mêmes études que nos frères, ce qui était une chance pour nous d'ailleurs, parce que beaucoup de filles ne faisaient pas d'études. Mais on râlait. Alors, mes frères, ils devaient porter la poubelle au bout du jardin jusque dans la rue, mais comme ils étaient 6, ils travaillaient un jour par semaine à porter la poubelle. Nous, c'était tous les matins. Elle me rappelle des souvenirs, déjà, cette rue, c'est tout près de l'endroit où j'habitais. Il y avait des voisins qui s'appelaient les Glopes. Et ils avaient un mur mitoyen, leur jardin avait un mur mitoyen avec notre jardin. Et vers 42, quand les choses ont commencé à devenir difficiles pour nous, après l'occupation de la zone libre, ces voisins avaient proposé à maman de se préparer à... de préparer ses enfants à franchir le mur, les 3 aînés au moins, au cas où les Allemands viendraient nous chercher. Et ils avaient mis une échelle de leur côté, de façon à ce que nous puissions passer chez eux, et ils avaient dit qu'ils nous cacheraient, ou bien qu'ils nous aideraient à fuir. Et là aussi, c'était des Français, tout ce qu'il y a de classique, ni pétiniste, ni anti-pétiniste, des gens tranquilles. Je viens de dire leur nom et voilà que je le lis sur la boîte, presque 70 ans après. C'était la famille Glop.
et leur maison, je la reconnais. Et je vois ce mur, qui était le mur mitoyen, avec le jardin de mes parents. Ah, je reconnais bien la maison, là. C'est émouvant. Mais c'est sympathique de repenser à ces gens qui ont su rester fraternels dans des moments où c'était pas sans danger pour eux non plus. Voilà. C'est revenir ici, c'est émouvant pour moi parce que notre villa qui avait un grand jardin, ma mère a déménagé en 89 et notre villa a été détruite pour faire un immeuble. Et j'ai été très peinée de voir le jardin disparaître avec tous ces beaux arbres, des pins, des tilleuls, des acacias, etc. Parce que nous avons été très heureux quand nous étions enfants, mes parents s'entendaient bien. Moi j'étais très proche de mon père, j'étais la fille aînée. Et il parlait beaucoup avec nous. Les repas ont toujours été un moment d'échange. Mon frère aîné aimait un peu le taquiner sur des sujets politiques, religieux, et mon père répondait. Et il s'adressait, moi à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, il s'adressait à moi d'une manière tout à fait respectueuse, à condition que je réponde de la même manière, c'est-à-dire en argumentant mon point de vue. Et il nous élevait en disant que... Il nous éduquait pour nous rendre capables de se passer de lui. J'aimais beaucoup cette formule. Il disait aussi que l'obéissance sans critique est la vertu des imbéciles. Je veux dire qu'inconsciemment, il nous préparait tout à fait à résister. Quand vous êtes engagé dans la résistance, de qui vous receviez vos ordres? De qui vous saviez ce qu'il fallait faire? Alors, au début, on a fait une résistance, si j'ose dire, très simple. C'est-à-dire que je recevais mes ordres de mon frère et de son ami Gilbert Dru, qui, eux, étaient avec des gens plus importants. Et c'est eux qui m'ont nommé agent de liaison, si vous voulez, enfin, m'ont employé comme agent de liaison, et qui m'ont dit où je devais aller porter les tracts et les journaux clandestins, que je ne distribuais pas. J'ai déposé dans un endroit qu'on appelait une boîte aux lettres, qui était en réalité un magasin, et là, des diffuseurs venaient les chercher pour les distribuer. Et c'est eux qui, si vous voulez, m'ont entraîné là-dedans. Mais après, j'ai fait connaissance d'un responsable, et je suis rentrée dans l'organisation des Forces Unies de la Jeunesse, les FUJ, on appelait ça, qui est devenue après les Jeunes des Mouvements Unis de Résistance, sous l'impulsion de Jean Moulin, qui souhaitait que nous fassions alliance avec les jeunesses communistes et avec les jeunes chrétiens combattants dirigés par Gilbert Dru, ce qu'on a fait, de façon à être plus efficace. Ça a été le gros souci de Jean Moulin. Hein. Et après, donc, je recevais mes ordres d'un garçon qui lui-même les recevait d'autres. Si vous voulez, l'organisation de la résistance, elle était très pyramidale. En haut, il y avait Jean Moulin. Il y avait, mettons, 20-30 personnes qu'il connaissait. Chacune de ces 30 personnes en connaissait d'autres. Et ça se transmettait comme ça, si vous voulez. C'est pour ça que quand l'un d'entre nous était arrêté, c'était parfois difficile de remonter la filière. C'est surtout en 1941-1942, avant l'arrivée des Allemands en zone libre, que nous avons fait des manifestations. On l'a trouvée belle, cette femme qui incarnait la République, parce que pour nous, à l'époque, la République, ça voulait dire un tas de choses. Ça voulait dire que c'était qu'on n'était pas pour Pétain. Ça voulait dire liberté, égalité, fraternité, qui était menacée. Donc, c'était émouvant pour nous de venir la saluer. Alors, on s'installait là, tous ensemble. On chantait la Marseillaise. Et puis, on regardait si la police arrivait, parce qu'elle pouvait arriver évidemment de n'importe où. Et généralement, ils arrivaient par le même chemin, c'est-à-dire par le même chemin que nous. C'était des policiers à bicyclette, et ils posaient leur vélo contre des arbres. Il y avait plus d'arbres, ce sol n'existait pas, et il y avait des arbres jusque-là. Ils posaient donc leur vélo contre un arbre, et puis ils enlevaient leur cap. Et à ce moment-là, nous, on commençait à se mettre en garde, parce que les capes avaient des ourlets qui étaient garnis de pastilles de plomb, si bien que quand ils nous tapaient dessus avec, ça faisait très mal. Donc quand ils commençaient à enlever les capes, ils avaient posé le vélo, ils avaient enlevé les capes, nous on était prêts, on était dans les starting blocks. On était prêts à partir, et on avait ordre de s'égailler dans tous les sens,
pour qu'ils hésitent, après lequel, qu'ils ne sachent pas tout de suite après lequel ils allaient courir. Alors ça nous donnait une demi-seconde, une seconde d'avance, et après on courait. Il faut dire qu'à l'époque, les policiers n'avaient pas d'entraînement sportif. Et ce n'étaient pas des jeunes gens, les policiers, c'était plutôt des hommes de 40-50 ans. Donc ils nous rattrapaient très très rarement. Une fois, deux camarades de mon frère ont été attrapés. Ils ont passé la nuit au poste et puis on les a relâchés le lendemain matin. Donc on ne prenait pas de grands risques. Et on était très contents de montrer aux Lyonnais qu'on n'était pas d'accord avec Pétain, qu'on était prêts à se battre. Il faut dire que j'ai mesuré après qu'on avait la vie vraiment plus facile en zone libre qu'en zone occupée. Quand on a été occupé, à partir de novembre 1942, je me suis rendu compte qu'on avait bénéficié auparavant d'une liberté de manœuvre qu'ils n'ont jamais eue en zone occupée. Mais on en a bien profité. Est-ce que vous vous souvenez des premiers Allemands rencontrés dans les rues en novembre 1942? Quel sentiment avez-vous ressenti? Ah oui, je m'en souviens bien parce que je ne les ai pas rencontrés, je suis allée les voir. On nous avait dit « partez vite, on ne sait pas dans quel état d'esprit sont les Allemands qui viennent d'arriver ». Et nous, moi je me suis dit avec une camarade « je voudrais bien quand même les voir » parce qu'on se battait contre des gens qu'on n'avait pas revus depuis 40, qu'on avait à peine vus en 40. Et finalement, on se battait contre le nazisme, un mot en isme, c'est-à-dire une théorie. On se battait pour un idéal, contre quelque chose de pas tellement clair. Et là, les voilà qui arrivaient. Donc on s'est précipité vers la place Bellecour et on a fini par les voir. J'avais rencontré entre-temps un de mes frères avec un de ses camarades, ça m'avait donné du courage. Et vraiment, là, ça a été un choc. Un choc que j'imaginais pas. Parce que j'ai vu toutes ces voitures, ces bien rangées sur la place Bellecour, ces garçons qui étaient bien droits, beaux, bien habillés, qui avaient un air de beaux combattants. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'on se battait contre quelque chose de bien plus fort que nous. Si vous voulez, c'est devenu pour moi concret, hein, alors que c'était avant une image, une idée. Ah, me voilà dans ce petit jardin qui me rappelle tant de souvenirs émouvants et heureux parce que jamais personne, je crois, ne s'y est fait arrêter. Voilà. Et ici, ces bancs accueillaient nos rendez-vous assez fréquemment. Pourquoi est-ce que ce lieu nous convenait? C'est essentiellement que c'était un lieu tranquille, paisible. On n'y voyait pas de police, on n'y voyait pas d'Allemands. Et on se donnait rendez-vous là. Il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient apprendre des cours, lire des textes, faire des choses. Et on retrouvait toujours plus ou moins des camarades entre guillemets innocents, si vous voulez. Souvent, on venait à deux, garçons et filles, en particulier un de mes camarades qui était préparé à l'agrégation de lettres et qui s'appelait Jean Bernardi, m'a souvent accompagné ici. Alors, on s'asseyait un peu l'un contre l'autre, quelquefois, il me passait le bras autour de mes épaules, ou nous essayions d'avoir l'air amoureux, modestement, mais enfin, il fallait quand même un peu donner le change. Et alors là, on pouvait se raconter tout ce qu'on voulait. Et puis, il y en avait un qui arrivait, qui était celui avec qui on avait rendez-vous. Et à ce moment-là, bon, on accueillait d'une manière tout à fait correcte, mais sans plus. Et puis, on se mettait à parler, on se disait ce qu'on avait à se dire. Évidemment, il y a eu d'autres lieux de rendez-vous, plus ou moins heureux. Il y avait les cafés, il y avait les églises. Les églises, ça me plaisait bien aussi, parce que je pense que jamais... Enfin, pour autant que je sache, la Gestapo n'a pu imaginer qu'en faisant sa prière à côté de quelqu'un, on pouvait lui raconter, lui donner rendez-vous, lui raconter des choses anti-nazis, ou se passer des documents. Et à ma connaissance, en tout cas en ce qui me concerne, moi je n'ai jamais été inquiétée. Et
même je dirais que ça nous amusait. C'était une espèce de détournement qui nous faisait rire. Parce que vous savez, ça n'a pas toujours été tragique, la résistance. On a eu des bons moments. D'abord des moments d'amitié extraordinaires. L'amitié, elle avait un goût et une force particulière, parce qu'on ne savait jamais si on se reverrait le lendemain, surtout à partir de 1943. Donc notre amitié avait... Il y avait une espèce, pas d'angoisse, mais quand même un petit peu dans notre amitié. Il y avait le sentiment du pas durable, le sentiment du fragile, de l'aléatoire. Et ça donne des sentiments particuliers. Les rendez-vous, c'était toujours un moment agréable, avec l'angoisse en arrivant cependant de ne pas trouver l'autre. Ça, je m'en souviens très bien. On avait rendez-vous et puis... alors, il ne fallait pas arriver trop en avance, bien sûr. Et puis, si au bout de 5-10 minutes, l'autre n'était pas là, on commençait à être inquiet. Et souvent, même, on allait déambuler en attendant qu'il arrive, en se disant s'il a été arrêté et que par hasard, il ait parlé. Attention, le rendez-vous devient un piège. Quand un de nos camarades proches était arrêté et qu'on était prévenu, on avait ordre de ramasser les papiers, de les cacher, de faire comme si rien n'était. Comme si de rien n'était. Et puis, parce qu'on savait que nos camarades avaient le droit, ça se disait, de ne pas tenir le coup au bout de 48 heures. Alors, c'était le risque, si on traînait, de se faire prendre. En octobre 40, quand une femme était sur le trottoir et qu'il n'y avait pas la place de passer, c'était le soldat allemand qui descendait dans la rue. Quand ils sont venus en 42, ils nous faisaient descendre dans la rue. Hein, la mentalité avait changé. Au début, ils espéraient qu'on allait les accepter, que ce serait la collaboration. En 42, j'avais compris qu'on ne les accepterait pas. Donc, à ce moment-là, notre vie a changé et il fallait être dans le plus grand secret, ne pas se faire remarquer, donc plus de manifestations. Et les résistants, ceux qui n'avaient pas encore pris un nom de guerre, un pseudonyme, en ont pris un à ce moment-là, et nous avions hâte de ne pas nous réunir les uns chez les autres. Et même quand il y en avait de nouveaux que nous ne connaissions pas, il ne fallait pas connaître ni leur vrai nom ni leur adresse. Est-ce que vous devinez pourquoi il fallait rester dans cette ignorance? Si vous faisiez arrêter ou torturer, vous pouviez le dire. Voilà, je ne peux pas dire mieux, c'est bien. Donc on avait peur, mais même dans ma propre famille, quand on avait besoin de savoir ce que faisait l'autre, mon frère ou mon père, on se le disait. Mais quand ce n'était pas une nécessité, on ne se le disait pas. Parce que nous avions très peur, l'un ou l'autre, de nous faire arrêter et de parler de notre frère ou de notre père sous la torture. Secret pour la sécurité. Moi, j'aimerais savoir si vous avez déjà eu envie d'abandonner, en fait. Ah, ça, c'est une bonne question. Eh bien, je vais peut-être t'étonner, mais parmi mes camarades, j'en connais aucun qui a abandonné de sa propre volonté. J'en connais, qui a abandonné parce qu'ils étaient recherchés, mais là, on leur demandait de se mettre au vert, comme on disait à l'époque. Mais on n'avait pas envie d'abandonner pour une bonne raison, c'est que, d'abord, à partir de 1943, à partir de la guerre avec la Russie, on a commencé à voir se dessiner la victoire. L'entrée des Américains dans la guerre, tout ça, nous a donné un peu d'espoir. Et puis surtout, moi, et je pense beaucoup d'autres, on a vécu la résistance comme une passion. Alors ça vous paraît peut-être bizarre, mais une passion, c'est quand plus rien ne compte que l'objet de cette passion. Eh bien nous étions amoureux de la liberté, si j'ose ainsi m'exprimer, et je crois vraiment que nous avons vécu la résistance comme une passion. J'ose le dire parce que c'est vrai. Hein. Plus rien d'autre ne comptait. Et du coup, on avait même moins peur. Il était si beau ce pont de la Guillotière. Avant que les Allemands ne le détruisent en quittant Lyon en septembre 1944. Il était très ancien, il avait été long à construire. Et maintenant, c'est un pont banal. Mais pour moi, ça reste un pont
intéressant parce que j'y ai un souvenir à la fois heureux et assez terrible. J'étais sur le pont là et je marchais comme ça, quand tout d'un coup, j'ai vu arriver au bout du pont une camionnette de soldats allemands. Ils se sont mis en rang et ils ont bouché la sortie du pont. Alors aussitôt, je me suis retournée pour voir si je pouvais pas repartir de l'autre côté. Et puis non, c'était pareil, les deux camionnettes étaient arrivées en même temps, donc nous étions pris sur le pont comme dans un piège, comme des rats. Et nous étions assez nombreux. Et j'avais une serviette, comme on en avait à l'époque, à double poche, donc assez grande, assez lourde, dans laquelle j'avais des papiers compromettants, comme par exemple des tracts ou des journaux clandestins. Et je ramenais mon petit frère de classe, et tout d'un coup j'ai eu une idée, qui s'est avérée bonne, mais un peu dangereuse. Alors je lui ai dit, écoute Bernard, on va échanger nos cartables, mais tout doucement, sans le poser par terre, et à ce moment-là, tu sortiras. Alors tu sortiras avec mon cartable, tu passeras entre l'homme de la Gestapo et le soldat, et tu feras un sourire au soldat. Essaye de passer en même temps que quelqu'un d'autre, tu feras un sourire au soldat. Et Bernard, qui savait qu'il se passait des choses bizarres à la maison, il n'a pas hésité, et nous avons échangé nos cartables en douceur. Et puis, il est parti devant. Et je lui avais dit, marche d'un pas tranquille. Et quand tu auras dépassé le barrage, ne te mets surtout pas à courir. Rentre tranquillement à la maison, je te rattraperai. Et si tu as un ennui, j'irai te sortir de là. Et puis, je l'ai regardé, avec évidemment beaucoup d'inquiétude, d'angoisse même. Et puis j'ai vu qu'il passait, il a fait un sourire au soldat et le soldat lui a caressé la tête. Et ouf, j'ai repris ma respiration et je me suis dit, ça y est, le plus dur est passé. Moi, je suis passée ensuite avec son petit cartable. Je suis passée près de l'homme de la Gestapo. Et il m'a regardé mes papiers, qui étaient encore mes vrais papiers, donc pas de problème. Il m'a fait ouvrir mon cartable et il a vu un petit livre, un petit cahier. Il m'a dit, ça va. Je suis passée. Et puis, j'ai rattrapé mon frère en marchant un peu plus vite que lui. Il était très fier de ce qu'il avait fait, parce qu'il avait eu conscience qu'il m'avait tiré d'affaire. Et je lui ai dit, écoute, dis rien à maman, parce que ça va lui faire peur. Puis je pensais que c'était pas très simple. Et quand on est arrivé à la maison, dès qu'il a vu sa mère, notre mère, il s'est précipité dans ses bras et il lui a dit, maman, tu sais pas ce qu'on vient de faire? Alors il a raconté. Ma mère, d'un air choqué, s'est tournée vers moi. Mais Denise, comment as-tu pu faire ça? Je lui ai dit, écoute, maman, si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas revenue. Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et j'ai réalisé, quelques années après sa mort, que nous n'en avions jamais reparlé. Je dois dire que quand j'y repense maintenant, je me dis que j'ai peut-être été inconsciente, mais à ma décharge, je dirais que nous ne savions pas à l'époque ce que les nazis pouvaient faire aux petits-enfants. Hein. Donc, j'ai pensé qu'au pire, ils allaient arrêter mon frère et que j'irais le dédouaner et que je dirais c'est à moi, laissez-le partir. Et je pensais que les choses se passeraient bien. Aujourd'hui, j'en suis moins sûre, mais bon, j'ai de la chance, ça s'est bien passé. Donc, je conclus que nous avons bien fait. Non. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Vous posez. Bonjour. Je vais vous les poser. Vous aurez un moment tout à l'heure pour poser des questions importantes, mais si vous avez des questions rapides à me poser, vous ne vous gênez pas. Alors, il y a la milice avant le STO. Est-ce qu'il est le STO? Plus loin? Ah, voilà. Alors, puisqu'on a la milice avant, je vais vous parler de la milice. Ça, c'est une lettre grecque qui s'appelle le gamma. C'était l'insigne des miliciens. Qu'est-ce que c'était que les miliciens? C'était des gens, comme vous et moi, généralement des jeunes gens, qui avaient décidé de suivre la Gestapo. Alors, ils avaient un bel uniforme,
Ils avaient un bel uniforme noir, ils avaient un pistolet sur la hanche, et ils nous faisaient très peur. Pourquoi ? Ils nous faisaient plus peur que la Gestapo. Est-ce que vous pourriez deviner ou comprendre pourquoi ? Vas-y, dis ce que tu penses. Parce qu'ils tuaient. Oui, mais la Gestapo aussi. Oui, mais ils étaient... Ils étaient d'une violence égale à la Gestapo. Mais ils étaient français. C'est ce que j'allais dire. Et c'est ce que j'allais dire, ils étaient français. Qu'est-ce que ça fait qu'ils étaient français ? Ben voilà, ils trahissent. Alors d'abord, c'était des traîtres pour nous. Donc on les haïssait plus que la Gestapo. Et puis par-dessus le marché, ils étaient de notre culture. Ils parlaient notre langue. Ils nous connaissaient. Dans le quartier où j'habitais, il y avait deux familles qui avaient une fille qui était allée en classe avec moi en école primaire et qui avait un fils qui était milicien. Donc dans mon quartier, je croisais... ces deux gars, pistolet sur la hanche. Ils voyaient qui rentrait chez nous. Quand on parlait entre nous, ils comprenaient ce qu'ils disaient, alors que les hommes de la Gestapo, souvent, ne comprenaient pas. Moi, je me suis tirée d'affaire sur le pont de la Guillotière, où j'avais un cartable, une serviette avec des papiers dangereux. Je me suis tirée d'affaire parce que c'est un homme de la Gestapo qui a contrôlé nos cartables. Ça aurait été un milicien, il aurait tout de suite compris que ce n'était pas un cartable d'une fille de mon âge. Hein. Mais là, c'était un homme de la Gestapo, il n'a pas compris. Donc les miliciens nous faisaient plus peur et on les haïssait encore plus que les hommes de la Gestapo. Alors, vous voyez là le nom de Philippe Henriot. Figurez-vous que moi, ça me dit quelque chose, parce que Philippe Henriot était un homme très cultivé, qui avait une capacité de parler absolument remarquable. Il était intelligent, convaincant, il était très persuasif et il parlait à Radio Paris. Alors, vous verrez, vous entendrez les messages de la BBC, à un moment on entend « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Ça veut dire « n'écoutez pas Radio Paris » parce que Radio Paris est sous une censure allemande tellement forte qu'en réalité, il fait la propagande allemande. Et celui qui faisait la propagande allemande, c'était Philippe Henriot. Peu à peu, les Français se sont dit, Philippe Henriot, il faut s'en débarrasser. Et il y a eu des projets dans plusieurs villes de France de se débarrasser de Philippe Henriot. Moi, j'étais pas grande, je paraissais pas mon âge, et des camarades qui faisaient partie d'un groupe franc, dont un des responsables d'ailleurs, celui qui m'a appris à tirer au revolver, a été fusillé à la Duchère. Ces camarades se sont dit, bien, Philippe Henriot, on va le faire disparaître quand il viendra à Lyon. Il devait venir à Lyon et il devait parler sur les marches de la Grande Poste. Et on m'a donc désigné pour l'abattre. Et moi, à l'époque, quand j'y repense aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. Parce qu'à l'époque, se débarrasser de Philippe Henriot, pour moi, c'était un devoir. Or, c'était tuer un homme. Mais cet homme était pour moi un malfaisant. C'est à cause de lui que des gens se faisaient arrêter, déporter, fusiller, etc. Donc, il fallait le faire taire. Et quel autre moyen de le faire taire que de le supprimer ? Donc, à l'époque, ce qui me paraît aujourd'hui terrible, c'est-à-dire prendre la vie d'un homme, ça me paraissait justice. C'est pour ça que la guerre est terrible, parce que la guerre, elle vous fait vivre dans la violence intérieure et dans la violence extérieure. Hein ? Et cette violence intérieure, je l'avais en moi, comme la plupart des résistants, même si elle ne transparaissait pas dans des actes de violence, je veux dire, nos sentiments étaient violents. Notre désir de résister, c'était devenu passionnel. Hein. Donc, on m'a préparé à ça, ça devait être fait avec des gens qui me protégeaient, etc. Et puis, une semaine avant, Philippe Henriot a été tué à Paris par des résistants. Et j'ai échappé à cette affaire qui me paraissait à l'époque bien organisée, mais dont je pense aujourd'hui que si ça avait marché, je ne serais pas là pour vous le raconter. Qui n'est pas tout jeune. Il a dû me voir passer, celui-là.
ici, on arrive dans la grande cour qui donne sur le... Voilà. Eh bien, c'était par là, j'en suis sûre. On peut entrer ? D'accord. C'est quand même une belle salle. Voilà. Un endroit où j'ai passé des moments heureux, même s'ils étaient stressants. Heureux et plein d'enthousiasme et de vie. Il y avait beaucoup de cours qui se passaient là ? Non, c'était la bibliothèque. Il y avait des tables et puis on était... Et là, ils distribuaient les livres. Ils allaient les chercher. Ah, voilà la fresque. Moi, j'ai jamais dû lever le nez, je m'en souviens pas. Et j'étais tellement studieuse que je ne devais pas lever les yeux. Ah oui, alors je m'en souviens pas du tout. Il est vrai que quand on est assis là, on la voit peut-être pas. Bon, si. Alors que ça, c'est marrant, ça me parle tout à fait. Donc là, c'était dès le début, là, quand vous êtes rentrée, donc, à quelle époque donc... En novembre 43, puisque la fac rentrait seulement en novembre. Et là, très vite, je me suis trouvée en pays ami à cause des camarades de mon frère aîné. Et donc, je me suis trouvée chez moi. Enfin, vraiment, c'est pour ça que j'en garde un souvenir heureux et ému en même temps. Parce que c'est un endroit où vraiment j'ai vécu à plein. Et j'attendais ça depuis la classe de sixième, je crois. Très vite, j'ai été recrutée pour travailler dans les faux papiers, parce que j'avais suivi des cours de calligraphie pendant 3 ans. Ma mère voulait que j'apprenne le piano, évidemment j'ai eu envie de faire autre chose. Et nous avons conclu un accord sur les cours de calligraphie. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'en ai refait d'ailleurs depuis. Et donc j'avais une écriture, j'écrivais vite et bien. Et puis je pouvais surtout imiter des signatures, puisque la calligraphie c'est un art qui consiste à imiter des lettres que nous voyons et qui sont un peu... compliqué, empanaché parfois. Donc, imiter les signatures ne me coûtait aucune peine. Et j'ai encore des papiers à la maison où j'avais marqué ce qu'il fallait faire, etc. Et ça, c'est un souvenir important. Ceux qui demandaient des papiers n'étaient jamais en contact avec ceux qui les faisaient. Hein. Comme ça, moi, je ne savais absolument pas pour qui je faisais tel ou tel papier. Celle qui s'en occupait venait en nous disant il faut, si possible, on mettait les mêmes initiales. S'il avait un visage un peu âgé, on le faisait naître en 19 ou en 18. À ce moment-là, il fallait des papiers militaires aussi. Et s'il avait un visage assez jeune, on le faisait naître en 24. 23 ou 24, oui. Et il y avait toujours besoin aussi des papiers d'alimentation, bien sûr, sans lesquels on serait mort de faim, des cartes d'alimentation. Voilà, donc moi, je n'ai jamais vu les gens pour qui j'ai pu faire des cartes. Et puis, il y avait tout un travail aussi pour les rendre conformes à ce que pouvaient trouver ceux qui demandaient les papiers, c'est-à-dire les cartes, à l'époque, étaient en carton, et il fallait qu'elles aient l'air d'avoir traîné dans les poches une carte neuve, provoquait immédiatement un contrôle. Il fallait que... Enfin, on les frottait avec du papier journal, on marchait dessus, je veux dire, on leur donnait un air un peu usé. Alors, on était soutenus par un appariteur qui s'appelait Monsieur Carrère, et je vois encore sa silhouette, que nous appelions familièrement Carotte, et qui était tout à fait favorable à ce que nous faisions. Et il veillait bien à regarder qui rentrait à la fac, et si c'était une tête inconnue, il prévenait que l'ennemi était dans la place, même si ça n'était pas un ennemi. Donc je garde aussi beaucoup de reconnaissance à ce monsieur que je n'ai jamais revu, parce que, à sa façon, il nous a aidés. Je vais vous montrer quelque chose que vous ne verrez pas souvent. Ça s'appelle « La cuisine de notre temps ». C'est un titre humoristique, vous en doutez. Ça s'appelle en haut « Les recettes de Tante Lucie » et dessous
publié avec l'approbation du secrétariat d'État à la santé publique. Hein ? Donc c'est tout à fait innocent. C'est fait avec le papier de l'époque, donc vous voyez la qualité. Et derrière, il y a une de ces phrases, je ne les qualifierai pas parce que j'aurais envie de dire un vilain mot, il y a une de ces phrases que le maréchal nous disait et qu'il écrivait partout. « La femme française, en dépit de nos cruelles épreuves, demeure une excellente cuisinière. » Voilà. Alors, si vous ouvrez ça, qu'est-ce que vous trouvez ? Là, vous trouvez des quantités d'indications. Parce qu'on nous avait fourni, on ne sait pas bien faire des faux papiers comme ça sans rien. Hein. On nous avait fourni... Moi, j'ai été engagée, le truc était déjà en route. J'étais engagée à cause de... pour imiter les signatures, surtout. Mais ils avaient des tampons. On savait où il fallait les faire naître. On en faisait naître en Afrique du Nord. On en venait naître dans des villes bombardées, etc. Mais là, on a eu des éléments très, très intéressants pour les certificats de travail, pour les papiers militaires, et puis pour les dates des jours fériés. Car une carte, s'il y avait un contrôle un peu poussé... Si nous, on avait tamponné la carte, on le mettait né en 1919 et un dimanche, hein, eh bien, on le faisait arrêter aussitôt, parce que la Gestapo, elle avait prévu ça. Et là, on avait les dates des jours fériés. Donc, on ne risquait pas de faire une erreur. Hein. Voilà. Alors, cherchons le confessionnal. Ah, ah, ah. Est-ce que ça pourrait... Ça y est. Voilà, j'y suis. Et les confessionnaux, à l'époque, avaient souvent un petit rideau devant, ce qui faisait qu'on pouvait se cacher à l'intérieur. Nous sommes arrivés le soir. L'église était encore ouverte et qu'il n'y avait pas grand monde. Et puis, j'ai proposé à Madame Rivière de se camoufler dans ce confessionnal. Il était recherché et surtout, il était recherché avec sa photo. C'est-à-dire que la Gestapo ayant sa photo, il était vraiment en grand danger. Et il voulait partir dans le maquis, dans les maquis de lin. Et il fallait quand même qu'il passe la nuit avant de partir. Donc, je lui ai proposé un confessionnal. Et il s'est caché là pour la nuit. Et le matin, eh bien, après l'ouverture de, par le sacristain, l'ouverture des portes par le sacristain, il est parti. Alors, je ne veux pas dire que je lui ai sauvé la vie, ça serait très prétentieux, mais on a mis tous les atouts du bon côté pour qu'il s'en sorte. Je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'était en 1944, à une époque où la Gestapo était terrible. À une époque où plusieurs de nos amis se sont fait arrêter. Et puis à l'époque, se faire arrêter, quand on était accusé de résistance, c'était pour les garçons se faire fusiller, généralement, et pour les filles se faire déporter. Ça a été une époque très, très, très dure. Mais c'est amusant parce que je retrouve quand même un semblant de souvenir. Et ce qu'il faut dire, c'est, ça peut paraître curieux, mais on avait des moments de grande joie quand on jouait un tour aux autorités d'occupation. C'est-à-dire que quand on avait réussi quelque chose comme ça, on était heureux malgré le drame que vivaient beaucoup de gens à l'époque, malgré le tragique de la situation. On avait des moments presque de gaieté, je dirais. Parce que arriver à se moquer de la Gestapo, c'était un grand, grand plaisir. Début juin 1944,
J'ai su qu'il fallait que j'étais recherchée par le responsable de mon groupe. Et donc, il fallait immédiatement que je parte. Alors le soir, j'en ai parlé à mon père. Et mon père m'a dit, je vais te cacher à la campagne. Et moi, j'ai pas voulu, ça me semblait lâche. Et puis, je sentais que le vent tournait, qu'on allait avoir la victoire, et je voulais pas rater ça. Donc, j'ai protesté. Et mon père a insisté, et puis je lui ai dit, écoute, papa, si tu voulais pas qu'on y aille, il fallait pas nous élever comme ça. Alors, il a souri. Et puis, il m'a donné de l'argent, et il m'a donné l'adresse d'un de ses amis, qui nous servirait de liaison, parce qu'il fallait ni écrire, ni téléphoner, ni se montrer, bien entendu, j'allais plus à la fac, etc. J'étais vraiment dans la clandestinité. Et ça a été une expérience difficile, parce que j'ai pensé à tous ceux qui avaient vécu quelques années comme ça, sous une fausse identité, sans savoir parfois où ils coucheraient le soir. Après la vie vibrante, exaltante, dangereuse et active que j'avais menée, voilà que je me retrouve devant des dissertations de 4 heures et des thèmes latins, ça a été très très dur. J'ai eu la chance de tomber malade et j'ai été envoyée dans une maison de repos pour étudiants résistants à Combloux, près de Megève. Alors là, bon, nous avons été très heureux. Nous avions la visite de gens importants de Paris parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants des grandes écoles de Paris. Et nous avons passé 3 mois bien nourris par la Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge suédoise. Puis tout d'un coup, on nous a dit, il y a 2 résistantes qui vont arriver, 2 déportées résistantes qui vont arriver. Et on savait à quelle heure elles arrivaient, on a préparé une fête, on s'est mis sur 2 rangs pour les accueillir. Et on a vu, quand le taxi s'est arrêté, on a vu descendre 2 femmes, 2 jeunes femmes, qui traînaient les pieds, qui étaient horriblement maigres, mal fagotées, et qui ne nous ont même pas regardées, pas de regard. Bien sûr, elles nous ont encore moins parlé. Évidemment, on ne les a pas applaudies, on les a regardées passer, et on s'est dit, on nous a envoyé des grandes malades. Et puis elles sont montées dans leur chambre, le directeur est allé leur parler, puis il nous a réunis avant le repas de midi. Et il nous a dit, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Alors là, je vous rapporte les mots exacts parce qu'ils sont restés vraiment dans la mémoire. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. La plupart des déportés ne rentreront pas. Alors ça a été vraiment un désespoir général. On était tous résistants, donc on avait tous des camarades en déportation. Et pire encore, il y en avait beaucoup. Comme la résistance a souvent été une histoire de famille, il y en avait beaucoup qui avaient de la famille en déportation. La plupart se sont mis à pleurer. Il y en a qui se sont évanouis. Ça a été vraiment un spectacle de désolation. Ça, c'est pour vous prouver que vraiment, nous ne savions pas ce qui se passait dans les camps de concentration. Nous nous doutions bien qu'ils recevaient des coups de bâton, qu'ils travaillaient beaucoup, qu'ils avaient froid, qu'ils avaient faim plus que nous, etc. Mais l'horreur, la déshumanisation, les humiliations permanentes, franchement, c'était impensable pour nous. Vous savez que ça existait. Pour nous, quand je dis impensable, ça veut dire impossible à penser. On ne pensait pas que des hommes pouvaient faire ça à d'autres hommes. Hein. Donc, leur expérience était incommunicable. Puisque pour nous, elle était impensable, pour eux, elle devenait incommunicable. Moi, j'en ai revu après des résistants. Et il m'a fallu presque, je dirais, des mois, pour ne pas dire des années, pour commencer à imaginer ce qu'ils avaient pu vivre. Hein. Au début, on a même cru parfois qu'ils exagéraient pour se faire plaindre. Hein, parce qu'on ne pouvait pas y croire. Et la plupart des déportés n'ont pas pu parler parce qu'ils sentaient très bien qu'on n'était pas capable de les écouter. On voulait être gentils, mais ce n'était pas de ça qu'ils avaient besoin. On était gentils, c'est tout. Mais eux, ils avaient besoin de se reconstruire complètement. Et nous, on était incapables de les aider. C'est comme si on était sur une autre rive, si vous voulez. Hein Mokhtar. Mort pour la France. Moussian Dnik Sroul. Mort pour la France. Menir Robert. Mort pour la France. Debiaz Henri André. Mort pour la France. Charin Lucien.
Mort pour la France. Chambaud, Paul, Marius. Mort pour la France. Si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Alors, ah, ça c'est une bonne question. Alors moi j'en ai retenu la première chose qui me vient à l'esprit, et ça c'est vraiment très très fort en moi, c'est que il ne faut jamais humilier quelqu'un. Hein? On peut se battre, on peut gronder quand on est prof, on peut punir, on en a même le devoir hein, parfois. Mais jamais humilier, parce que humilier quelqu'un, c'est le mettre à terre, c'est l'empêcher de réagir correctement. Si vous voulez aider quelqu'un, il ne faut pas l'humilier. Et l'humiliation, ça a été une arme terrible des nazis. Il y a un SS qui a dit un jour à un juif, « Tu n'es pas un homme, tu n'es même pas un chien, tu n'es qu'un juif. Hein? » Et dans les camps de concentration, ils ont été humiliés. Et nous aussi, ils nous humiliaient quand ils étaient ici. L'humiliation était vraiment pour eux une arme très très forte. La déshumanisation qu'ils ont connue dans les camps, c'était une arme. Je pense qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Hein, et que je ne regrette pas... enfin, c'est une image un peu vulgaire, mais... marcher sur les pieds. Mais je veux dire que c'est Lucie Aubrac qui a dit que résister se conjugue toujours au présent. C'est un verbe qui se conjugue toujours au présent. Vous aurez l'occasion, il n'y a pas besoin qu'il y ait la guerre avec les nazis hein, pour résister. Il y a d'abord le fait de ne pas accepter qu'on dise n'importe quoi devant vous, le fait de ne pas, quand vous voyez humilier quelqu'un, de le défendre. C'est Montesquieu qui a dit « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous ». Vous allez vous rappeler ? Répète-moi ça. Une injustice faite à un seul ? Parfait. Alors, vous vous en souviendrez. Vous vous en souviendrez parce que c'est facile de laisser humilier les autres devant soi. Hein. Alors, si on est du bon côté, ben, tendons la main à ceux qui sont du mauvais côté. Hein.